Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un match de gala, un match de légende, un match super important puisqu'on joue le champion en titre, l'AZ Alkmaar, 31 points. Eux aussi, on a 13 journées, on est complètement à égalité sauf avec une différence de but favorable. Du petit but qui fait la différence et qui nous place en tête, on les reçoit donc eh bien, ce champion en titre qui pour l'instant roule un petit peu sur tout le monde. On va jouer, en tout cas, face à eux, à l'AZ, et ensuite, il y aura le match face au Celtic. Match tellement important, si bien, en plus, on a perdu face à Feyenoord 3 buts 1 lors du dernier match de championnat. Alors, on passe à travers, des fois, comme ça a été le cas face au PSG, Feyenoord. Là, c'est un match, voilà, face à un des top clubs, même si ce n'est le top club actuellement des Pays-Bas. Donc, nous devons faire une grosse rencontre. On enregistre le retour de Hakim Ziyech, un petit peu fatigué. Il peut quand même faire 60 minutes. Il rentrera. Je mets quand même Denis Vidal ici. Rouliano Junior, Youssef Attal, Danman Alvarez, Tagliafico, Antonio Dani Gomez, vous les connaissez, Vidal. J'hésite avec Gravenberch, Martin Martinez et Gerardo Moreno. On va peut-être plutôt mettre un Martin Terrier. Il a été un petit peu décevant, c'est vrai, Gravenberch. C'est pas son poste, hein, milieu offensif gauche. Il nous manque peut-être quelqu'un à ce poste-là. J'ai fait monter en équipe une Berry Langeveld, 16 ans. Le petit. Le petit pépite, on peut dire ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il joue en Young Gazax, il pourra y jouer encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il a 16 ans et qu'il a un potentiel quand même qui semble excellent. On verra ce que ça donnera. Donc, je le mets dans l'équipe un petit peu pour qu'il prenne la température. Il va peut-être pas jouer parce que devant, on a quand même on a Dostanić et Kuipers qui peuvent rentrer. Mais sait-on jamais. Voilà. On va partir donc eh bien pour le match. Ça va être du très très lourd. Ça va être du très très lourd. Danman Alvarez, je vais juste échanger les postes parce que ça doit être comme ça. Je vais laisser les B2B comme ça, les deux là pour l'instant. Et eh bien écoutez, on est parti pour ce match qui va être complètement fou. Le match face à l'AZ Alkmaar. Je suis ultra tendu parce que c'est un match décisif. Hein. Les 3 points, c'est très dur à récupérer. Là, c'est. On peut les mettre à 3 points comme ils peuvent nous mettre à 3 points. Donc surtout ne pas perdre, c'est le pire. Ça serait le pire, ça serait la défaite. Véhément, je vais leur dire qu'il faut prendre la revanche. On va même glisser un petit mot à chacun, voilà, qui peuvent faire la différence. Ça doit être le cas. Aujourd'hui, il faut tout donner. Aujourd'hui, il faut tout donner. On n'a pas le choix. Il va falloir faire un gros match. Ça va être dur. Il y aura même des consignes particulières. On va mettre de l'intensité sur les défenseurs, forcément. Là aujourd'hui, c'est match quasi Ligue des Champions. De toute façon, ils sont aussi en Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont Youssouf Barassi qui est vraiment leur buteur qu'il faut pas laisser un seul instant jouer. C'est l'homme à abattre. Hein. C'est l'homme à abattre. Intensité du pressing. On va faire un pressing très élevé à part sur les deux milieux défensifs. Bord du terrain. Martin Terrier dicte le jeu. Et ben, j'espère qu'il va bien jouer. Alvarez. Bah écoute, il faut. Allez, j'espère qu'il va bien jouer. Retro Williams qui est blessé. Bah écoute, ça fait du bien. On va pas se. C'est dommage. C'est dommage pour eux. Là, Johan Cruyff Arena est pleine pour ce choc. Ajax AZ, c'est parti. Oh, je suis chaud. Attention. Long ballon. Et ça sera repris par Tagliafico. Martin Terrier. Oh, il perd le ballon bêtement là aussi. Race. Voilà, ça c'est du pressing qu'on veut voir. Ça c'est du pressing, on les laisse pas vivre. Il faut pas les laisser vivre. Voilà, on continue à harceler. Voilà, encore, va mon petit. Va, il y a, pourquoi il y a personne là. Oh. C'est bien, long ballon. Allez, de la tête. Ah, il faut pas le laisser lui. Attention, la frappe est contrée. Il va repasser. Van der Ville, le poteau. C'était extrêmement chaud. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. Hein. On est passé à deux doigts de la punition dès la 7ème minute. Tarabouni. La tête au-dessus. Juliano semblait sur la trajectoire. Pour l'instant, on est complètement dominé. J'ai envie d'en demander plus, mais je peux pas. Danman. Gomez. Alvarez. Allez, on écarte sur le côté. Attal, il a les qualités pour relancer ce ballon. Attal, long ballon vers Martinez. Martinez qui est passé. Ah, qui se fait chipper le ballon trop facilement. Et derrière, c'est Youssouf Barassi qui récupère de nouveau. Très bon joueur. Hein. Il est seul dans l'attaque, mais il arrive à nous mettre en difficulté. Hein. Et là, Van der Hel qui est pas attaqué. Oh, c'est pas possible. Oh, ça a pas commencé là. Et quelle consigne particulière là.
Il est où là, Van de Hey là? Il est là, il y a une intensité du pressing là. Il n'y avait pas de pressing. Force du mauvais pied, qu'est-ce qui me... Exercer un pressing constant. Être assez dur. Eh, je veux bien être dur aussi dessus. Hein. On peut casser des jambes aujourd'hui. C'est permis. Là, on se fait bouffer, c'est pas possible. Je vais en demander plus. Alors qu'Alvarez est nerveux. Attal un petit peu fatigué. Moreno aussi. Ah, il est à la trêve internationale. Hein. Il y a eu la trêve internationale. 30e minute, on n'a rien montré, c'est terrible. 35e minute, encore un corner. On est en danger là-dessus. Hein. Tabouni. Premier poteau s'est dégagé. La frappe une fois, deux fois. Et l'ouverture du score. Oh là là. Oh là 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 là. Ça serait la deuxième défaite, enfin la deuxième, la défaite d'affilée. Vidal blessé. Vidal blessé. Bon, on va le laisser jusqu'à la mi-temps. Oh là là. Vas-y, c'est pas possible aussi là. Oh. Oh mais les gars, ils s'en battent les couilles. Vas-y les attaquants là. Oh. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Les milieux de terrain, c'est pareil. Et alors les défenseurs, agressifs. Non, assuré. Beaucoup mieux aussi là. Bon, Vidal, on va faire entrer Hakim Ziyech, le retour de l'homme prodige. Un temps assuré, tu peux faire la diff. Et Youssef Attal, on va changer tout le côté droit. Je vais mettre Guichard. Deux changements à la mi-temps. C'est dur, mais c'était peut-être nécessaire. Ah, et ça repart. Ah ouais, mais c'est pas possible aussi là. 50e minute et il se passe rien, il se passe rien. Alvarez, Guichard, Alvarez, faire repasser par Juliano Junior, Danman. C'est bien joué, Martin Terrier. Martin Terrier, long ballon vers Martinez. Le golazo de Martinez! Bien sûr! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'y fait quoi lui? Vas-y, hors-jeu! C'est abusé ça! Ils n'ont même pas là le ralenti! Guichard, long ballon, de la touche, 56e minute. Ça va être capté par le gardien. Facilement! La boulettasse! Martin Martinez! Bien sûr! L'égalisation! 56e minute! Let's go! Oh la boulette! Oh la maxi boulette! Ah oui! Ah oui! Oui. Oh mais directement on peut se faire punir quoi. Tabouni. Juliano Junior qui dévie. Allez! Faut mettre le feu maintenant. Faut embraser le match. Hein. Tabouni, second poteau. Danman qui dégage. Beaucoup de cartons jaunes. Hein. 13 fautes. Nerveux. Faut pas être nerveux. Hein. Allez, soyez créatifs. Montrez-moi quelque chose là. On prend trop d'occases! Oh là 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 là, ça cafouille! Ça cafouille! Mais si on s'en sort encore une fois, Martin Martinez, sur le côté, ce sera un beau tacle à 71e minute. Je sais pas, soyez créatifs, faites quelque chose là. Gomez, il est AFK du match, mais pourtant c'est Antonio qui a un carton jaune. J'ai envie de mettre un Gravenberch. Hein. En meneur de jeu avancé, tant pis. Hein. Allez, sors-nous une masterclass là, quelque chose! Soyez créatifs, les gars, créatifs sur ces 6 dernières minutes! Il y aura une action avec Becker qui va dégager son camp sur le côté. Merci Graven. Gravenberch qui se laisse pas déjouer. Dumfries. Allez, Martin Terrier, Forêt, Danman, Gomez, Moreno. Moreno, long ballon pour Martinez! C'est peut-être la dernière action! Le but de Martin Martinez! Calmez les ardeurs. C'est ça qu'on veut voir. Nazed Alkmaar qui coule. Le bateau coule. Gomez, Moreno, et il va bien voir. Quel appel. Bon, l'appel est pas top, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et dans la profondeur derrière. Oh, quel contrôle.
Quel contrôle est là. Et là, là il tergiverse pas. Magnifique. Allez. Faut les féliciter là. Faut tenir maintenant. Il n'y aura plus d'action. Il n'y a plus d'action. La victoire. Magnifique. Martinez doublé. Let's go. Ziyech, on l'a pas vu. Mais voilà, c'est des réactions. C'est ça qu'on veut voir. Je veux voir ça à chaque fois, moi. Oh là là. C'est dur de demander des matchs comme ça à chaque fois. Oh là là. Punaise. On prend 3 points d'avance. Hein. Peut-être décisif. Denis Vidal blessé et Martin Terrier blessé. Quel comeback, très heureux. Martin Martinez, magnifique. Danman, un nouveau carton jaune. Bah, il faut qu'il rampe. C'est pas mal, c'est pas mal. Le classement du 13, j'en ai rien à foutre. Rien à faire. Alors qu'il paye 6 millions, là, parce que j'ai fait jouer Martin Terrier 50 matchs. Aïe, aïe, aïe. Martinez conduit à... Ouais, très bien, Martinez. Enfin, tu marques des goals à saut. Il s'est fait attendre, hein. Le Martin Martinez de 21 ans, là. Lui qui plante des buts sur but au Deportivo Guadalajara. Là, là, c'était dur. Hein. Ça a été dur, la mise en route. Hein. Alors qu'il va y avoir des suspendus. Hein. Voilà, du suspendu, du blessé, de tout ce que tu veux face au Celtic. Si on veut jouer la finale face à Liverpool... Non, mais c'est mort. On pourra pas prendre... pourra pas. Shippen, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce c'est quoi, ça? Quelques reçus pour le poste de préparateur. Préparateur, ça m'a l'air pas mal ça. Il m'a l'air très correct lui. On va lui proposer un contrat, préparateur U19. Voilà. Et lui c'est pareil, là il a l'air pas mal. Proposer un contrat. Voilà. Plusieurs réponses. Kiné, les kinés, j'ai proposé déjà un kiné. J'ai proposé Alain Rata. Alain Rata pour être, c'est quoi là, en équipe B. Voilà, nickel. Les préparateurs de Young Ajax. Pareil, là, il y a des joueurs qui sont pas mal. Ah, mais eux, ils sont déjà. Qu'est-ce que vous me parlez, là? Eux, ils sont dispo. Préparateur équipe B. Voilà, mais voilà. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut du préparateur. On veut une équipe compétitive en B. Van der Gun veut nous rejoindre. Et il y en a combien de dans l'équipe B, là, de dans le staff? 3 préparateurs. Ouais, eh ben écoute, Van der Gun, tu veux nous rejoindre? Mais non, mais t'es déjà dans les U19. On va proposer un contrat à cet homme-là. Ok, c'est bon. Bon, match de Champions League face au Celtic. Je pense que c'est le moment de faire tourner un petit peu. Enfin, et c'est, on est déjà qualifié en Champions League. On est déjà qualifié, les gars. C'est ça le truc, c'est ça qui est magique. Les deux victoires face au Real. C'est ça qui était beau. Oui. Le Real Madrid. 3-1 à domicile, on leur a mis. Et là-bas, on leur a mis en 0. Ce qui nous permet d'être qualifiés. Alors, la première place, je pense qu'elle est morte. Donc, on est très bien à cette place-là. On est très, très bien. Bonascro, ouais, bien surveillé. Mais il veut pas venir aussi, celui-là. Là. J'ai ajouté comme joueur convoqué. J'ai tout fait, là. Transfert, essaye. Priorité urgente. Ne plus afficher ce message. Joueur convoité, voilà. Essaye de nous faire quelque chose, quoi. Temps de jeu prévu, ce sera un bon joueur, ça. On va voir ce que ça va faire. Est-ce qu'il va réussir à le convaincre de venir? Bonascro, qui peut jouer des deux côtés et qui est très bon. Hein. C'est Bonascro. Il peut jouer des deux côtés, accélération parfaite, il vaut que 4,3 millions. Moi, je veux un joueur comme ça. Je prends. À la place de Tagli, ça peut faire le taf, ça. Alors... Ajax face au Celtic, on est favori. Je me dirais pas comme ça, mais bon. Je l'aurais pas dit comme ça. Après, le match au Celtic, il était tiraillé, mais bon, on a gagné. Là, c'est pas un match... Après, si... Parce que là, le truc qui peut se passer, c'est que... Off d'Overmars pour Bonascro. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait une off de Bonascro comme arrière ponctuel. Quoi? Comme latéral remplacement de Pierre Guichard? Il a 10 millions d'euros. Il a proposé. Bah écoute, on va voir. Hein. Mais je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer, mais qu'il voudra pas venir. C'est surtout ça. Parce que moi aussi, ça passe. Je propose 10 millions d'euros aussi. Il veut bien venir. Mais après, derrière. Voilà, il se passe rien. 709 km le déplacement de l'Ajax au Celtic. Ouais. Mouleur, kiné. Parfait, ça. Fin des recherches. Parfait. Nickel. Le Celtic.
le Celtic, le stade mythique. Comment réagissez-vous à l'intérêt exprimé du PSV pour Mats de Rutten? Bah écoute, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Knopper vers l'Ajax. Knopper à l'Ajax. Parfait ça. Fin des recherches de préparateur pour l'équipe B. Ratat, ratat à l'Ajax. Parfait ça. Parfait. Mais voilà, c'est ce qu'on veut. On veut des préparateurs. On veut une équipe performante. Il n'y avait plus personne. Là, je sais pas pourquoi l'autre ne s'en occupe pas aussi. Staff là, Ratsad, Lyon, Ajax, il y a encore de la place. Là c'est bon là. Mais là c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Il manque encore deux préparateurs. Ça va arriver. Ça va signer. La rencontre. Ouais, parce que là, le Real, si le Celtic nous gagne, passe à 3 points. Liverpool, Real, je pense que Liverpool va gagner. Donc Real en difficulté. Attention, oui, il y a des joueurs suspendus. Fais voir ce qu'on peut faire. On peut faire un Pierre Guichard, Ziyech, Gravenberch, Antonio, Caceres, Eud, Alvarez, Atal. Pourquoi Atal de l'autre côté là? Pourquoi Atal? On va faire Gravenberch. Lui, on va le mettre défenseur droit. Guichard, il va être là à la place de. Il est où notre jeune là? Hop là. Lui, il est pas. On peut pas le faire jouer. D'accord. Lui, il sert à rien en fait. Moreno, il faut le mettre au repos. Martin Terrier. Moreno, on va le mettre au repos. On va mettre Guichard. 92, le truc, c'est que Martin Terrier, il est mort en fait. On va faire jeu Martin de Roon. Alvarez de Heut. Non, je vais faire jeu Danman. Hein. Danman Alvarez. Atal Caceres. Je pense qu'il faut mieux faire jeu Pierre Guichard, même du côté gauche. De Roon, Antonio, Ziyech, Gravenberch, Martinez, Oreke. Martinez, Oreke, c'est un peu dégueulasse. Mais bon. Martinez, Oreke, Gravenberch, Antonio, De Roon. L'équipe est un peu bancale. Hein. L'équipe est un petit peu bancale. Après, il y a les sous à récupérer. Et l'indice UEFA à faire progresser. Hein. C'est tout. Hein. Eux, ils ont mis l'équipe type, ça c'est clair. C'est parti, en tout cas, pour ce match. Pour les fans. Pour la patrie. Oh, mais il faut le laisser. Faut le laisser reposer. Pierre Guichard. Sur un autre match. Martin de Roon. Pas à 100%, mais ce sera bon. C'est parti, Celtic. Ajax, match de légende encore. De toute façon, ce groupe de légende. C'est un groupe de légende. Quand tu vois la gueule des autres groupes, il n'y a pas photo. Notre groupe, c'est le groupe de légende. Allez, ça sera dégagé. Taylor qui. C'est Liverpool qui gagne déjà 1-0 face au Real. Donc le Real qui est à 3 points. Mal cuit. Mais vas-y, la Rouliano Junior. C'est trop aussi. Je veux bien quand même un minimum. On s'en bat les couilles peut-être du match, mais à un moment donné, tu peux faire quelque chose là. Putain, on dirait Areola quoi. C'est pas possible ça. Quel moment il me fait ça? À quel moment il me dit. Oh là là. Oh, c'est catastrophique. Le Celtic qui passe pas devant le Real hein, pour l'instant. Antonio. Guichard. Le Pierrot. Danman. Oreke, qu'on n'a pas trop vu encore, Oreke. Hein. Oreke qui est passé. Qui préfère passer à Guichard. Guichard qui croque. Antonio. Pierrot. Danman, il faut pas lui mettre un ballon dans les pieds lui. Hein. De Roon, Antonio. Ça tricote trop. Une touche de balle là. Voilà Gravenberch, mets-la dans le paquito. Putain, on perd le ballon là-dessus. Cork. Et ça part dans la profondeur pour Sharpka éliminer Danman. Voilà, Rubiano, là c'est mieux quoi. C'est mieux. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Quand tu vois les erreurs des gardiens, c'est désolant en fait. Tu te dis à tout moment, ton match il bascule sur une putain de merde quoi. Alors que pour l'instant, on a fait 7 tirs mais 0 cadré. Long ballon. Ça sera repris par Christy. Montrer qu'on a du caractère, j'aimerais bien, mais apparemment on peut pas. Friendly, Rogic, Taylor. Il est tout seul là. Flatland. Taylor. La tête qui était énorme. Atal, longue touche. Lui, il connaît ça. Hein. Ça va dégager de Roon. Long ballon. Allez, tu pourras le capter. Donne le ballon. Vas-y, écarte. Voilà. Martin Martinez. L'homme en forme de cette saison. Le centre.
La tête d'Orike dans les bras du gardien Gulacsi. Jean-Michel Gulacsi. Et ça sera un long ballon donné. Alvarez, Hakim, Ziyech, qu'on n'a pas trop vu depuis ça. Il faut qu'il reprenne hein, la blessure de 2 mois quand même qui fait mal. Hakim Ziyech qui élimine. Le sort du pied gauche. Antonio qui décale Guichard. Antonio, sa tricotasse. De Roon. On jouait derrière encore une fois. Attal, il a un pied droit magique. Pas mal. Antonio. C'est contré. David Orike. Et qui compte cette mini frappe d'Antonio. Quand on profite. Égalisation un peu méritée. On peut le dire. Attention quand même. Edson Alvarez, encore un carton. Agata au corner. Mal cuit. Rogic. Faut pas le laisser en position de frapper. Hein. Frindley. Qui va rejouer derrière. Pour Abdelhamed. C'est mis sur le côté. Allez, la défense de Ziyech. Allez, propre. Va, mon petit. Findlay, Rogic, Flatland. Alvarez. Oh l'arrêt. Oh là là. C'était chaud, hein. C'était véritablement chaud. Alvarez, il est sous pression. Il est ce que tu veux, sauf concentré, en fait. Il s'en bat les couilles de notre équipe. Taylor, Ziyech. Il va donner un ballon. Orike qui va vite, mais qui n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Cork. Qui écarte de nouveau. Il n'y a personne dessus. Taylor trop libre. Oh, c'est contré Ziyech. Ziyech qui va par contre lui techniquement ses propres. Orike qui va vite. Orike tout seul. Orike une fois. Deux fois Martinez. Quel homme. L'hombre. Le Mexicano. L'homme au sombrero. Martinez. Tout ça par de Ziyech. Voilà qui distribue bien le ballon. 41ème minute. C'est magnifique. Et on sera à 12 points du coup, ça serait magnifique. D'un ton assuré, je peux vous dire que je suis satisfait. Satisfait du déroulement. On fera des changements à 60ème, bien sûr. Bien sûr. Guichard. Gravenberch. Ils aiment bien manger le terrain, heureusement. Martinez, il est loin, il pleut des cordes. Martinez, ah, il n'y avait personne. Et Djikou. Flatland. Finde, Djikou. Ah, c'est bien défendu, ça, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Hey, Guichard. Régale-moi, Gravenberch. Voilà, c'est ça qu'on veut voir de ta part. Il y avait peut-être mieux à faire là-dessus. Et Ziyech qui va sortir, on va mettre un Martin Terrier. Pas Destination, non, Martin Terrier, s'il te plaît. Hop là. Voilà, je vais pas prendre de risque avec Ziyech qui revient de blessure. On va le tranquilliser. Christil. Antonio qui dégage de la tête. Et ce sera Guichard justement. Lâche ton ballon. Tu sais pas courir, t'es grand, t'es nul. Allez, Danman, toi aussi. Voilà, deux rounds peut-être un peu plus proche techniquement. Envers Martinez, le tueur. Il y a pénalty. Golazo. Martinez, il est en réussite. Hein. Oh, il est en réussite, 3 buts à 1. La réussite est de son côté. Ah, le tir est contré. Je croyais qu'il allait avoir pénalty. Mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Hein. On va peut-être faire entrer Caceres à la place d'Alvarez. Voilà. Et pourquoi pas un... Non, j'allais dire Cuypers à la place de Martinez. Mais il ne voudra pas sortir. Il a son triplé à aller chercher. On va le laisser. Il est en forme. Allez, montre-moi de quoi t'es capable, mon petit Caceres. 63ème minute. Mal cuit. Cork. C'est bien dégagé, ça. Seul. Les latéraux n'existent pas. Regarde-le. Regardez Antonio. Regardez Attal. Attal, je sais pas. Il regarde. Je crois qu'il a vu une meuf dans le public. Je sais pas. À ce moment-là, il s'est dit putain, attends que je fasse un truc. Et là, c'est contré. Tu sais pas pourquoi il revient vers là. Retourne là. Ouais, il se dit ouais, je me casse. C'est bon. Je me casse. Et du coup, ça fait 3-2. Et du coup, on en demande plus, les gars. Allez, ils sont nerveux. Je comprends pas comment on peut être nerveux dans un match où on n'a pas d'enjeu. On a 23 tirs, 17 cadrés. 11 cadrés, pardon. Soyez créatifs. La créativité, s'il vous plaît, les gars. Il y a un dernier changement. Alors, on va faire sortir... On va faire entrer Cuypers. Un petit peu de génie. Après, on gagne. Hein. Moi, ça me va, 3-2. 90ème minute. Youssef. Oh, la touche est dégueulasse.
La touche est dégueulasse et Rodic qui part pour Morgan. Rouliano Junior qui nous sauve. Rouliano Junior qui nous sauve. On conserverait 12 points. Et l'espoir peut-être. Il faudrait gagner combien? Non mais c'est pas possible d'aller gagner à Liverpool. Pour être premier de toute façon. Dadman de la tête. Pas possible, il faut gagner 4-0 ou non, c'est trop compliqué. Antonio. Là, il faudrait gagner 5-0. Martin Terrier. Gravenberch pour le 4 buts à 2. Magnifique. Martin Terrier, Gravenberch, c'est bien. Ça va leur donner un petit peu de confiance. 4 buts à 2. Voilà le score qui est alourdi. C'est parfait. C'est un match parfait. Là, vraiment, on s'est fait du bien. Le truc, c'est que physiquement, on a pioché. Mais c'est un plaisir. Parce qu'on marque des points pour les Pays-Bas. On marque 12 points quand même dans le... C'est énorme. C'est quand même énorme. Et on prend 2,7 millions encore une fois. Je suis très content. Je suis content de ce qu'on a montré. Le but avant la mi-temps, parfait. Cooper fait partie des favoris pour le trophée des Golden Boy. Ah bon? Ouais. Martin Martinez, par contre, lui, c'est... Martin Martinez, mexicain. 3 sélections, 0 but pour l'instant. Mais. Il progresse, hein. Il progresse, en plus. Non, c'est très bien, lui. Très bonne recrue. Quand tu vois ses stats, tu te dis, c'est OK, ça va être un joueur très, très bon. Il faut juste qu'il prenne le temps d'exploser. Bon, il est quasiment à son potentiel maximum. Je pense qu'il est même à son potentiel maximum. Je sais pas si on peut voir. On peut pas voir le potentiel max à chaque fois. Mais il est à 151 de niveau. C'est très, 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 très propre, quand même. Faut pas se cacher. Du coup, prochain match demain. Heracles, Cambourg et Vitesse. Je pense qu'on en fera 3. On approche quand même du Mercato. On aura le dernier match à domicile face à Liverpool. Donc non, 4-0 est suffisant. Je pense pas qu'on va filer 4-0 quand même à Liverpool. Liverpool qui a perdu un match encore, je crois. Ah si, ils ont perdu un match de Premier League face à Wolverhampton. Pardon. Sinon, c'est le reste. Ils ont mis 3-0 au Real. Ils nous ont mis 5-1. Ils ont mis 4-0. Et là, ils ont mis 4-2. Et là, ils ont remis 2-0. Donc compliqué, hein. compliqué. Après ça vient, ils joueront le 8 face à Newcastle, Swansea. Ouais, c'est même pas un match. Ouais, ils en auront rien à foutre quoi. Ils sont favoris à 1,80. Mettez votre maison sur les paris, y a pas de souci. Vous pouvez parier à fond. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, merci de regarder la story. C'est un pur plaisir encore une fois de jouer vraiment avec l'Ajax. Je serai très bientôt en live, donc je sais pas quand, mais je pense qu'il va y avoir un live certainement. Je sais pas. Je vais pas vous dire de date parce que voilà, mais il y aura un live. Il y aura un live cette semaine, c'est sûr. Peut-être jeudi soir. Peut-être jeudi soir, je vais voir. Je vais voir, on en parle ensemble en tout cas sur Twitter ou ici dans l'onglet communauté. Je vous remercie les gars d'être aussi fidèles et on se dit donc à demain pour la suite de la carrière et la suite de l'enquête. Voilà, la suite de l'enquête à 11h demain matin. Donc mercredi, bien sûr, la suite de l'enquête pour l'équipe parfaite en D6 anglaise. Ciao, ciao.